Départ de cette deuxième épreuve, une course réservée aux pouliches de 3 ans, qui a été la plus rapide au signal, avec également en deuxième position Féline de Baie, accompagnée encore en troisième position par Fleur Rosé. Fleur des Titets qui vient maintenant en quatrième position, alors que Fury Devel est en cinquième position avec à son extérieur Ferrari d'Anica. On est encore un peu plus loin avec Freya et également avec Faina Domblay, juste devant encore Festasi, alors que le numéro 7 vient d'être disqualifié, Freya d'Orge, ainsi que le numéro 2, Falbala TG. Il se dirige vers le premier tournant avec au commandement Fujita. On est dans son sillage avec le numéro 10, Féline de Baie, alors qu'on se rapproche maintenant à l'extérieur avec Ferrari d'Anica et également avec Fleur des Titets. On est en cinquième position maintenant côté corde avec Fleur Rosé, accompagnée encore par Fury Devel. Dans son sillage, nous avons le numéro 13, Freya, accompagnée encore côté corde par Fleur Rosé. Dans son sillage, le numéro 11, Fiji Kérosé. Et encore un peu plus loin, Faina Domblay devant Festasi. Et en dernière position, le numéro 12, Flav Duplessis. On a repris en tête, on cadenasse un petit peu la course avec aux avant-postes le numéro 9, Fujita, et à l'extérieur, Fleur des Titets. On tente maintenant de venir avec complètement l'extérieur avec Ferrari d'Anica. On se retrouve ainsi sur une deuxième ligne côté corde avec Féline de Baie, accompagnée par Fury Devel. Alors qu'on est sur un troisième rideau et côté corde et en sixième position avec Fleur Rosé, accompagnée par le numéro 13 Freya. On est encore un peu plus loin avec Fitchy Kérosé, également avec Faina Domblay. Et on tente de quitter l'arrière-garde maintenant à l'extérieur avec le numéro 4 Festasi. On lui emboîte le pas avec Fable Duplessis. Il leur reste 1000 mètres à parcourir. Fujita avec à son extérieur Fleur des Titets, avec en troisième position toujours Ferrari d'Anica, alors qu'on continue sa progression maintenant à l'extérieur avec numéro 4 Festasi. On est maintenant en cinquième position côté corde avec Féline de Baie, accompagnée par Fury Devel. Dans leur sillage, Fleur Rosé. Sur la même ligne, nous avons Freya et également le numéro 1 Faina Domblay, juste devant encore Fiji Kérosé. Il leur reste un peu plus de 600 mètres à parcourir. C'est Festasi maintenant qui prend l'avantage et qui vient couvrir le numéro 9, Fujita, avec en troisième position Féline de Baie, accompagnée par Fleur des Titets. Alors que le numéro 12, Flav Duplessis, vient d'être disqualifié. Ils vont bientôt aborder le dernier tournant avec Festasi qui a toujours l'avantage avec en deuxième position. Nous avons Fujita, on tente maintenant de revenir complètement à l'extérieur avec Ferrari d'Anica alors qu'on est le long de la corde avec Féline de Baie au centre avec Fleur des Titets. Alors qu'on note une nouvelle disqualification, celle du numéro 11, Fiji de Kérosé. La dernière ligne droite avec Festasi qui a toujours l'avantage avec Fujita maintenant qui tente de venir l'attaquer mais en vain avec en troisième position en pleine piste Ferrari d'Anica avec Festasi qui a toujours l'avantage et Vicari et qui va s'imposer dans cette deuxième épreuve, le prix Hauquevaux. La deuxième place reviendra au numéro 9, Fujita, et la troisième place au numéro 3, Ferrari d'Anica, devant encore Fleur Rosé qui a bien fini le long de la corde.